Hey yo les potes, j'espère que vous passez de bonnes fêtes. Aujourd'hui, on va parler de musique de jeux vidéo, mais pas comme vous pourriez l'imaginer. Au cœur de cette expérience, la bande originale de Final Fantasy XIV, ah oui, non, faut le dire en anglais, Final Fantasy XIV, composée par le talentueux Masayoshi Soken. Elle se distingue par son pouvoir unique d'évoquer des émotions profondes et de souvenirs durables. Cependant, au-delà de la mélodie enchanteresse, je ne peux pas m'empêcher d'avoir ce qu'on appelle des hallucinations auditives. Et dans cette vidéo, je vais vous en présenter une bonne gamme de musique. Je garde aussi quelques bonus qui sont pas spécialement des Miss Heard, mais vous verrez tout ça à la fin. Et pour ceux qui suivent le let's play de Doliprane, ou pour ceux qui sont encore dans l'épopée d'FF14, ne vous inquiétez pas, je ne vais rien spoil, les combats importants, les thèmes importants ne seront pas illustrés. Allez, bonne vidéo! Et voilà qui conclut la première partie de cette vidéo, et maintenant on arrive aux bonus. Alors les bonus en fait c'est pas vraiment des Miss Heard, il y en a quelques-uns, mais en fait c'est surtout des musiques dans le jeu qui me rappellent d'autres compositions de groupes, d'auteurs, de compositeurs, et ça a tendance à me trigger rapidement. Et vu qu'on est encore sur FF14, et donc Soken, on va parler aussi d'FF16 parce qu'il y a pas mal de choses à dire. What is it like when you pull back the curtain and realize you're wrong is around?
just up for you, cause we can't go. Et pour FF16, cette fois-ci, c'est plus Socket qui s'est inspiré de lui-même. Ça arrive souvent, hein, les compositeurs, évidemment, vont reprendre quelques samples d'autres compositions qu'ils avaient fait auparavant. Bon, il s'est peut-être dit que ça passait inaperçu avec Eureka, dans FF14, mais non, mec, ça s'entend trop même. Et on arrive déjà à la fin de la vidéo, et pour ceux qui jouent à FF16 ou ceux qui auraient reçu FF16 à Noël du coup, vous allez me détester, car ces Miss Earth vont rester dans votre tête à tout jamais.